Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire 3 petites attaques avec ce deck. Mais je peux plus m'en passer de ce deck. Je peux plus m'en passer, c'est un truc de fou. Molosse de lave, les petites troupes avec le sort de rage et les flèches pour protéger le molosse de lave. Et je peux vous le dire que, petit bisou quoi. Ah ouais, mais franchement c'est comme ça mon pété. Franchement, magnifique, magnifique. Je sens que je vais jamais m'en séparer quoi. À part jusqu'à que ça soit nul, mais bon, ça c'est voilà, c'est autre chose. Donc on va se faire 3 petites attaques, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti les gars, on va faire une petite attaque, qu'on perde ou qu'on gagne, on la laisse. Ouais, non, on est comme ça, nous, des fois, on aime bien comme ça un petit peu. Alors, on est tranquille, on est posé sur son petit fauteuil et tout ça, là, c'est génial, c'est génial. On va envoyer... Qu'est-ce que je suis fou, moi. On va envoyer ça. Est-ce que j'envoie plus? Bah, de toute façon, je suis obligé, parce que je peux pas faire autrement, sinon, si j'ai pas le sort de rage, ça me sert à rien. Donc, forcément, je suis obligé. Allez, allez. Mince, j'aurais dû envoyer les gargouilles là-bas, mais je suis nul. Mais je sais pas jouer les gars. Oh là là, et sort de rage qui va être bon ou pas? Ouais, entre guillemets hein. Ça va, on va dire que ça va. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Oh là là, mais carrément en fait, ça va carrément. Oh, regardez, on va envoyer les petits gobelins. Allez, allez les gobelins, ça protège, voilà. Et ça tue en plus le machin. Et franchement, on a fait pas mal de gars, je m'attendais pas à ça. Eh, je vous assure que je m'attendais pas à ça. Pourtant j'en ai fait des attaques hein. Oh, et je m'attendais carrément pas à ça. Attendez, on va on va tuer quand même un minimum la sorcière. Parce que là, je trouve que c'est un peu abusé là. Oh, hein, la sorcière là qui... Non mais attends, t'écris que tu pouvais faire le fou comme ça. Oh si, ça pouvait prendre la tour. Mais alors là, il défend pas, vite fait. Non, mais pourquoi vous tirez sur la sorcière là? De toute façon, vous êtes voué à mourir. Donc que vous tirez sur la sorcière ou pas, ce sera pareil. Oh là là. Bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. En espérant qu'on perde pas quand même, hein. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas perdre, mais... Ouais, c'est mon problème, moi j'aime pas perdre, tu vois. Bon, quand je joue comme ça, en mode posé, je m'en fous un peu, tu vois, bon, à la limite. Mais là, le problème, c'est dès qu'on perd, on perd des trophées, et du coup, on perd des arènes, tu vois. On descend d'arène, tout ça, arène 4, arène 3, arène 2, arène 1, arène nulle. Voilà, donc du coup, c'est chiant. Parce qu'après, de remonter, c'est limite impossible, quoi, c'est trop énervant. Voilà, donc du coup, eh ben, on peut... Oh, direct quoi, comme ça. Et je pensais pas que ça allait être aussi rapide que ça. Alors juste que j'ai plus le bombardier du coup, parce que je l'ai tiré, tu vois, le bombardier, donc j'ai plus le bombardier, tout ça. Oh, vraiment, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, max de dégâts ou pas? Oups, désolé. Donc, max de dégâts ou pas? Ouais, ça va. Et franchement, oh, je rêve où il a tiré sur mes archers, ça a fait aucun dégât. Hallucinant. Enfin, j'ai peut-être mal vu, parce que j'étais pas en train de regarder, je regardais ailleurs. Mais ouais, je crois que... Ah ouais, je crois, hein. Enfin, je sais pas, je l'ai vu se retourner à faire un mouvement bizarre, là, et j'ai vu mes archers qui avaient pas perdu de vie. Donc, je sais pas, c'est peut-être un... Je sais pas du tout, je saurais pas vous dire. Voilà, donc du coup, on va se concentrer là-bas, parce que c'est un peu notre seule possibilité de gagner, parce que vous voyez que la deuxième tour est prise. Donc on va faire ça. J'aurais peut-être pas dû, en fait, je suis vraiment bête. Bah, ça arrive, hein, des fois. Voilà, donc je vais me prendre une tour, bah voilà, ça arrive. Des fois, on défend pas, on est nul, on est... C-O-N, on est C-O-N, oui des fois on est C-O-N, voilà, au moins ça m'évite de dire gros mots et je peux le dire en même temps aussi, voilà, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, et puis voilà. Désolé pour le petit cri. En attendant une petite défaite, j'aime pas, franchement j'aime pas ça, je suis comme Rainbow Dash moi, j'aime pas perdre. Enfin, quand il y a quelque chose en jeu, hein, s'il y a rien en jeu, je m'en fous un peu, mais là il y a des trophées en jeu quoi, ah c'est chiant quoi. Pff. Bon, moi je vais tout de suite prendre une deuxième attaque, c'est parti. Ouais, c'est parti les gars, cette fois-ci on ne perd pas, parce que cette fois-ci on va être intelligent. On va pas se laisser faire et on va défendre en même temps qu'on attaque. T'as vu ça un peu? Non mais attends, t'inquiète pas que je suis capable de le faire. Ah ouais, non attends, moi je peux défendre en même temps que j'attaque. Ah ouais, non mais attends, comment dire, je crois on peut dire bluffé par exemple. Soit pas étonné, soit pas... ah, je sais pas comment on peut dire, tu vois le délire, tu vois. Soit pas en mode ouah, mais il est trop fort, tu vois. Non, non, mais attends, c'est naturel chez moi, tu vois ça. Bon, là par contre, de me faire défoncer aussi, apparemment c'est naturel chez moi. Ah, ouais, apparemment. Alors là, mais ma tour elle est morte. Ma tour elle est morte. Oh là là, mais je vais faire comment pour gagner moi? C'est pas grave, c'est pas grave, on a. Vous savez ce qu'on a? On a un molosse de lave, et molosse de lave il se laisse pas faire, tu vois. Molosse de lave il se laisse pas trépigner, il se laisse pas marcher dessus comme ça. Foutez de moi là. Allez, allez, vite, dit, dit. Ça va, mais carrément, regarde, il y a presque aucune troupe qui est morte et tout. Enfin, il y a même aucune troupe qui est morte, mais y a presque. Mais je m'en fous, gros. Parce que tu sais ce que ça fait le molosse de lave quand ça meurt? À mon avis, je pense que tu le sais pas. Ah non, regarde bien ce que ça fait. Ça détruit une tour quand ça meurt. Ah ouais, bah ouais, ça détruit une tour, mon petit. Ah, c'est magnifique. Allez, allez, allez. Oh,
me fais pas mentir. Oh, mais de que dalle! Voilà, alors, juste comme ça, il y a un moment, j'ai reçu un petit... comment ça s'appelle, un petit commentaire. Ouais, tu sais, pour ton premier combat, quand j'ai eu les piques réactions là, du pack opening, pour ton premier combat, tu peux envoyer flèche pour finir à tour. Seulement, eh ben non, je ne le ferai pas. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de loyal sur Clash Royale. Et je fais pas des actions de lâche, on va dire. J'appelle ça de lâche, mais ça me paraît un peu fort comme mot, tu vois. Ça paraît un peu méchant, tu vois. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, on est là pour jouer, on est là pour... voilà, on n'est pas non plus... Bon, certes, on est là un peu pour gagner, j'avoue. Mais pas au point d'utiliser des techniques comme ça. Enfin, après, voilà, il y en a, ils disent... Ouais, non, mais c'est rien. C'est juste des petites techniques comme ça. C'est dans le jeu. Bon, oui, c'est dans le jeu, mais... C'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire, tu comprends? Et c'est ça qui me dérange, moi, dans le jeu, c'est ça. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça, les gens l'utilisent. Moi, personnellement, j'apprécie pas. Je trouve ça un peu trop facile. Voilà, je trouve ça un peu trop facile. Attendez, on va juste mettre le petit sort de rage. Attends, on va juste attendre. Ouais, je pense qu'on va le mettre, parce que sinon mes troupes vont se faire détruire. Bon, malheureusement, tout s'en fait détruire. Il a pas attendu, ce qui est un peu bête de sa part, d'ailleurs. Ouais, peut-être que dans les deux cas, on fait, au final, qui les aurait tirés ou pas. Non, je pense que s'ils auraient pas tiré tout de suite, il aurait pu défendre. Mais bon, de toute façon, on avait 3 étoiles. Mais ouais, mais attends, on est en mode déprimé, on dirait qu'on est mort, quoi. Mais attends, je suis pas encore mort, moi, je suis encore vivant, là, je suis pas en mode déprimé. Bon, la troisième attaque, on la fait pas en mode déprimé. Non, c'est moi qui vous le dis, non. Allez, c'est parti. Petite dédicace en live. Pouf. Hop là. Pim, 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 pim. Non, mais attends, moi, je suis comme ça, dédicace en live, mon petit. Bon, après, moi, je dis ça comme ça, bon, voilà. Alors, juste comme ça, Magin, ça fait penser à Machin. C'est bizarre, tu vois, donc ça fait un peu penser à Machin 67, tu vois. Enfin, après, ouais, je dis ça comme ça, bon. Non, mais voilà. Ouais, non, mais voilà, donc dédicace à Machin 67, qui vient de rentrer dans le clan et qui va certainement vite repartir parce qu'il va trouver que le clan n'est vraiment pas actif, quoi. Non, mais on donne pas mal de troupes, hein. Regardez, ça fait quoi? Ça fait quelques jours déjà qu'il y a, hop là, déjà 202 dons, quoi. Ah ouais, non, mais tu vois, on est comme ça, nous, tu vois, on donne un max, tu vois. On n'est pas présent dans le jeu, mais dès qu'on peut donner, on donne, tu vois. Ah ouais, mais ouais, voilà, voilà, on est comme ça. Enfin bon, donc moi, je vais tout de suite pour la troisième attaque. C'est parti. Eh, c'est parti, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le petit molosse de lave. Eh ouais, nous, on prend des risques. On sait même pas ce qu'il a comme deck, on n'a pas le sort de rage. Dès le début, on envoie les troupes comme ça, quoi. Alors déjà, il a... Ah, il a un sorcier, dommage. Dommage, il a un sorcier, mais c'est pas très grave. On peut y arriver quand même. Ouais, quoi qu'on est un peu foutu, là. Hein. Bah, c'est pas grave, on essaye le sort de rage. Allez, sort de rage, s'il vous plaît. On peut y arriver, ça tue le sorcier. Nickel, ça fait un max de dégâts à la tour. Mais comme d'hab, bah voilà. Et bah voilà. Et ça, franchement, quand tu fais des trucs comme ça... T'as envie de te dire que t'as gagné. Non, c'est forcément t'as gagné, tu vois. Bon, généralement, les gens, après, des fois, ils te foutent tout un truc et du coup, t'as le démon. Mais il y a des fois où tu gagnes. Donc, c'est parti. On envoie les petits archers aussi, histoire de pas qu'ils nous cassent la tour. Quoique, ça va. Finalement, ça va. Allez, c'est parti. Les archers qui sont assez résistantes, heureusement, parce que sinon, je crois que j'aurais eu un peu le démon. Alors, malheureusement, bon, comme t'as vu, il nous a fait pas mal de dégâts, l'enfoiré. Ah, oh, mais bon, voilà, moi je le dis comme ça, moi je dis enfoiré, voilà. Non, mais voilà, 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 voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne censurerai pas l'enfoiré. Ah, oh, non, mais je suis comme ça, moi. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, il nous a fait un peu pas mal de dégâts, surtout avec la Valkyrie, là, il va en faire encore un max. Là, il va nous détruire la tour, pourquoi pas? Ah non, à 32 points près. Oh, bah, c'est génial, ça, dis donc. Alors, juste comme ça, notamment, il a un petit élixir. Niveau 5, ça commence à me faire un petit peu peur. Bon, après, je dis ça comme ça, mais franchement, ça me fait un petit peu peur, quoi. Donc, le sort de rage qui fait toujours plaisir, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, sort de rage. Allez, sort de rage. Allez, allez, allez. Ta taureau de l'enfer, c'est trop tard, là, gros. Hein. Fallait la mettre avant. Quoique, vite fait. Mais ouais, vite fait, franchement, vite fait, quoi. Ouais, franchement, vite fait, quoi, en fait. Mais que dalle, gros, que dalle. Attendez, attendez. Parce que sinon, je vais me faire avoir. Non. Eh oh, mais oh. Bon, c'est pas très grave, il restait que 32 points de vie, voilà, c'est pas très grave. Bon, on va passer à Fort 2, on va pas... Mais non, mais oh, mais c'est quoi ces troupes, là? Ah ouais, tu veux jouer à ça, gros? Non, moi, je suis vénère, voilà. Encore une fois, je suis en mode vénère. La dernière fois, j'étais en mode vénère sur une attaque du jour, et maintenant, je suis en mode vénère sur, la dernière attaque des 3 attaques. Voilà, bah, qu'est-ce que tu dis, moi? Non, mais c'est comme ça, je suis en mode vénère, mais j'ai défoncé, mon petit, j'ai te défoncé. Bah ouais, bah ouais, regarde ce qui se passe, t'as vu ce qui se passe, là? Bah ça s'appelle du défonçage. Un petit feu, bien entendu. C'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà bien. On a bien fait d'envoyer les petits gobelins. Non, vous voyez, des fois, il y en a, ils se disent, ouais, petit gobelin, bon, je vais pas défendre. Boum, on fait quand même pas mal de dégâts en plus. Et ça fait toujours plaisir. Bah, vas-y, envoie ça, mais quand tu veux, gros.
Alors là, mais vas-y, moi j'envoie les archers. Vas-y, moi j'envoie le sort de rage. Mais là, t'es mort. Là, t'es mort, mon petit. Bon, il avait les flèches. Mais ça va quand même, ça va. Allez, c'est parti. Qui c'est qui va gagner? Ok, bah c'est Bibi. Bah c'est Bibi. Bah c'est Bibi. Bah oui, il y a des fois, voilà, il faut gueuler, voilà. Tu fais des bruits chelous, c'est toujours délire. Non, mais bon, on a gagné, ça fait plaisir. Voilà, bah bon, quand on se fait plaisir, et ben il faut gueuler, voilà, c'est tout. Et notamment, vous allez quand même, vous allez voir quand même que, on est quand même à 1498. Ce qui est quand même à peu près la même chose de ce qu'on avait au début. Hein, ouais, on était dans les eaux, je crois, si je me rappelle bien. On reste vers les 1500, en fait, hein, c'est un truc fou. Donc on va ouvrir un petit coffre à couronne, voilà, un petit bonus, voilà. Attends, on s'est fait des attaques, voilà, c'était plutôt pas mal. Voilà, on profite, on a un coffre à couronne. De toute façon, j'ai le temps. Avant de refaire un autre pack opening, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, deux gemmes. Ouais. Cabane de barbares, pourquoi pas. Parce que de toute façon, je suis pas là demain, donc j'ai le temps. Enfin, moi, laisse tomber, voilà, on s'en fout. Donc, deux sorciers, voilà. 41 esprits de feu, mais c'est génial. Alors, juste comme ça, une petite épique. Voilà, on parle tout doucement. Une petite épique, s'il te plaît. Toute petite. Oui. Désolé, c'était pas viril, mais il fallait que je le fasse. Yes. Woo. C'est mieux comme ça, là. Ah, c'est un peu mieux. Ou sinon, attends, j'ai encore mieux. Yes. Yes. Bah, c'est un peu chelou comme ça. Mais, oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, les gars, vous savez quoi? Je vais vous faire une petite attaque du jour. Je vais la mettre après ces attaques-là. Donc, d'ici une trentaine de minutes après que la vidéo de celle-là soit sortie, donc vers les 5h en fait, voilà, donc ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, voilà, voilà, voilà. Donc je ferai une attaque du jour avec le miroir, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a fait nos 3 petites... Ouais, franchement, j'ai trop bien fait de l'ouvrir. Putain, j'ai trop bien fait. Ah, désolé pour le putain, mais j'étais obligé, voilà. Ah non, j'étais obligé. Ah non, mais attends, j'étais obligé. Ah attends, mais... Wow. Ah, je suis content, voilà. Donc, je ferai ça. Je ferai un deck spécialement pour ça. Et du coup, j'ai bientôt toutes les cartes, là. Hein. Encore 11. C'est énorme, 11. C'est énorme. En attendant, il me reste encore ça, que j'ai toujours pas, d'ailleurs. Mais je préfère avoir ça que ça, là. Je préfère avoir le miroir que cette machin. Voilà. Donc là, je sais plus ce que c'est. Putain, attendez. Voilà, c'est chiant, ça. Quand t'as un truc coincé dans la gorge, là, c'est chiant. Donc, je sais pas, ça doit être une légendaire, aussi. Donc, là, on a... Ouais, après, c'est Arène 6, donc, voilà. Donc, vous voyez, le fait de parler tout doucement, comme ça, oui, je veux une épique, machin. Le mec, il vous en donne une directe. Il voit que vous le respectez. Direct, il se dit, attends, le mec, il me respecte. Mais qu'est-ce que je fais? Boum, je lui fais plaisir. Et ben, voilà. Hein? Carrément. Bon, alors, je suis désolé, mais je vais mettre ça dans le titre. Hein. Parlez doucement au coffre et il vous respectera. Non. Parlez doucement au coffre et comment il machin vos désirs là, il respecte, enfin il donnera ce que vous voulez quoi. Enfin, je sais pas comment je vais. Bah, je vais trouver. Voilà, je vais trouver comment formuler bien. Je mettrai ça en titre. Bon, malheureusement, ça descriptionne la fin de la vidéo. Mais voilà, hein, bon, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais vous laisser là. Je vous laisse aussi avec l'attaque du jour, qui sera dans une vidéo, voilà, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, donc je vais m'empêcher de la faire, je vais m'empresser de la faire, et puis voilà. Donc moi, je vous dis une prochaine vidéo, je vous dis ciao, je vous retarde pas plus longtemps, et puis, n'oubliez pas, restez cool.